On va voir, on peut continuer un petit peu. Il y avait ce mur-là, ou sinon, bon, il y a des publicités, mais il y a les murs de la gare. C'est des bons murs. Hein. Mesdames, Messieurs, this is Delegato reporting you from Haiti. Here we go. On the latest world event. TED, a non-profit organization, are about to announce the TED Prize winner at the conference in Los Angeles. This year, the TED Prize will be given to a French artist who goes by the name J.R. J.R. started 10 years ago as a graffiti artist. But J.R. would make his name by taking photographs and illegally passing the portrait in the street. And so tonight, in the great United States of America, the TED Foundation will give him their highest honor and permit JR to make a wish. The wish that TED Foundation would like to be big enough to change the world. A few weeks ago, I was in my studio in Paris, and the phone rang, and I heard, "Hey, JR, you won the TED Prize 2011. You have to make a wish to save the world." I was lost. I mean, I can't save the world. Nobody can. Then the TED guys, I just won't show up, you know? She said, "Hey, JR, your wish is not to save the world, but to change the world." Oh, all right. That's cool. I mean, I started when I was 15 years old, and at that time, I was not thinking about changing the world. I was doing graffiti. When I found a cheap camera in the subway, I started documenting those adventures with my friend. I started pasting them, and I did my first Expo de Rue, which means sidewalk gallery. I mean, the streets are the best gallery I could imagine. November 2005. The streets are burning in Paris. Everyone was glued to the TV, watching kids, throwing Molotov cocktails, attacking the cops and the firemen. I mean, I know those guys. All of them are not angels, but they're not monsters either. So I went there with a 28 millimeter lens.
They were making scary faces to play the caricature of themselves. On dirait des flammes dans le regard. Putain. And then I pasted in the bourgeois area of Paris. That's where I realized the power of paper and glue. If I could show the cracks in my society, what about other places? We went to the Middle East and took portraits of Israeli and Palestinian doing the same jobs, pasting them face to face and on both sides of the wall. People couldn't recognize who is who. Come with me. Always testing the limits of what we had been told was possible. We went on, all over the world, never knowing exactly what the portrait would reveal or provoke. So now my wish is, I wish for you to stand up for what you care about by participating in a global art project. So a subject you're passionate about, a person you want to tell the story, or even your own photo. Tell me what you stand for. And together, we'll turn the world inside out. Allô? Ouais, ça va? Bien, et toi? Je viens d'arriver de Long Beach, là. Je suis arrivé il y a deux jours, là. J'arrive à l'atelier. I'm on the phone with Ladj, who's on the picture. The guy on the picture right there. Ouais, allô? Préparé, hein. Ouais, je t'avoue, c'est un truc de ouf, mais maintenant, je me retrouve embarqué dans cette aventure. Mais c'est quoi le but, là? C'est quoi l'histoire, là? Ça fait 12 ans que j'ai été prendre des portraits de gens. J'ai été les recoller dans les communautés aux quatre coins du monde. Et on a commencé par chez toi, d'ailleurs. Et je dis maintenant, l'idée, c'est que j'inverse le processus. C'est à vous de faire les photos, et moi, je l'imprime pour eux, et je leur renvoie gratuitement et où qu'ils soient. Ouais. Et c'est à eux de coller ensuite leurs photos, où ça fait sens pour eux, quoi. T'es toujours là ou quoi? Ouais. Mais crois vraiment à ce projet-là, tu penses que ça va marcher? Là, on se lance dans un gros truc, je t'avoue que je sais pas trop comment on va gérer l'histoire. Et là, ça se passera où? C'est comment c'est ou... Non, y a pas de limite, quoi. Enfin, on peut l'envoyer n'importe où dans le monde, quoi. Un mec... Tu vois, je sais pas où, au bout du monde, on peut lui envoyer. Mais j'espère qu'il y a des gens là, au bout du monde, qui vont le voir comme une manière de s'exprimer. Je t'avoue que depuis quelques jours, il y a déjà quelques personnes qui participent. Pas grand-chose, mais... Bah écoute, bon courage en tout cas. Commencer le projet dès qu'on a pu. On a créé le site Inside Out pour que les gens uploadent eux-mêmes leurs photos. Les règles sont simples. Ça doit être des portraits, pas de logo, pas de message de haine. Mais à part ça, tout est ouvert. On a acheté une imprimante. Et aussi vite que ça, les gens ont commencé à répondre. Au début, j'y croyais pas. On a créé une plateforme,
pour que n'importe qui s'exprime. Personnellement, politiquement, socialement, peu importe. Mais on n'avait aucune idée de la tournure que ça allait prendre. Mission. Put Larry's photo, Larry's famous JR masterpiece up on Main Street. Larry's a guy that if you are lucky enough to come across him in your life, it's a gift. I know, it's really exciting. He's a face that deserves to be seen. Larry, superstar. Yes. Lion Base in Freetown. A group of boys that lived under a bridge. And the community called them robbers, thieves, outlaws. They didn't even know their names. We pasted their faces along the bridge. It had a very strong impact. For the first time, the boys had an identity. Ça à côté de moi, ça m'a pensé vers l'avenir. Ok, ok. Boule. Benoît, vous connaissez où vient là, non, et projet ça, portrait Inside Out. Inside Out. Mais pas oublier où vini Kaite le ghetto. Oui. OK, so nous-mêmes c'est interview nous fait nous-mêmes, interview vidéo, mais n'a fait dans style télé ghetto. So nous prend nous te prend bidon l'huile ça. Bagaille ça. Nous te coupé en petit morceau. Ouais. Et puis nous bal fort mon caméra. Il était commencé en termes de réponse avec une équipe étrangère qui était chargé caméra nous-mêmes nous pas de gain. So, c'est utiliser l'image comme ça pour faire cause sociale et cause populaire.
Bon, qui soit vraiment, vous pensez, nous-mêmes, nous allons poster, nous allons regarder. Mais qui soit pensé à Haïti lui-même pour bénéficier de ça vraiment, des photos ça. Haïti a confronté une étape, un moment de crise, surtout après le tremblement de terre. Avec photo ça, quand nous pouvons montrer expression visage, même si maintenant lui-même l'état dans la machine, l'état un bel travail qui fait là, waouh, là après là, à son côté, qui gagne vie là-dedans. Haïti, il y a une jeunesse qui est forte. Nous sommes capables, nous avons matière, nous avons fait tout ça pour mettre Haïti au-delà de son merci. Et merci. À cette téléghetto. Nous allons vivre un projet qui est très spécial. Téléghetto Haïti. Vous êtes branché, oui? Merci. Il y a tout qui est ici encore. Ça sent le brûler encore. Hein. Ils ont tout brûlé. Tout cramé. T'as vu les photos? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a tout depuis des dizaines d'années, quoi. C'est des familles entières, là. Ouais, c'est des familles entières. Hein. Ça fout un peu la chair de poule, en fait. Complètement. C'est une vieille maison qu'ils ont transformée en poste de police, en fait. Ils tracent chaque mouvement de chaque Tunisien à chaque moment. Comme si on était des criminels, quelque part. Et tout le système est fait sur tout contrôler, avoir tous les fichiers de tout le monde. C'est ça qu'on voit ici. Et ça, c'est rien du tout, parce qu'au ministère de l'Intérieur, il doit y avoir 10 fois plus que ça, quoi. Mais c'est impressionnant de le voir, parce qu'on ne le voit jamais. Tu vois, c'est complètement souterrain, habituellement. Bunch of photographers, Tunisian photographers.
We were living in a dictatorship for more than 20 years. We were always seeing pictures of all the presidents, all the dictators. Avant, il y avait un portrait dans la Tunisie entière. Oui, bah, c'était le portrait de Ben Ali. Et oui, c'était le principe, c'est d'être présent partout, partout, partout. Il n'y avait que ça. Une sorte de surveillance. Now, I mean, the message would be, oh, it's not that anymore. It's people, it's Tunisians, it's us. Tunisian people representing the whole society would be printed in large formats and pasted all over Tunis and some other cities. You are following the taxi. There is a girl who has a nice face in the taxi. So I follow her. How often do you follow girls in Texas? I never, never, never. It's the first time that I do it. Je suis photographe. On est en train de faire 100 portraits de Tunisiens. Est-ce que ça vous intéresse? On va aller vers le fameux mur de Monsieur Big Ben Ali qui est juste là en fait. Donc enfin, à la place de Ben Ali, on va avoir le collage de la mosaïque de Tunisiens. Donc à la place d'une personne, il va y avoir les Tunisiens. Et c'est une sorte de remplacement du roi par le peuple. Moi, je m'attends à que du positif. I think it's gonna be huge, really. For Tunisians, I mean, nobody saw something like this before in Tunisia. You know, I've never done something like this. Never been involved in something like this. It's gonna be amazing for me. You know. I became an artist, actually. I didn't even know there was a job for being an artist. I guess it started by, you know, by writing my name on wall. I guess at that time was really the desire of, you know, of existence, of having your name up there, your name somewhere. You know, I was looking for interactions. When you do those graffiti, you actually look for people to see it, for people to respond to it. And then when I started pasting those photos, I got much more of that. It's all logic. I just went into more and more and more interaction. At every project, change in the level I implicates people in it. You know, at the beginning, it would just me pasting. Then it would be me and a friend. Then it would be me, a friend, and the community. Then it would be the community and me. Then it would be a village and me. Then it would be, you know, an entire neighborhood. And then in Inside Out, I was like, that's all of them without me. And then suddenly it's like, okay, passing the process to someone and saying, all right, now in your hand, you have much more meaning than in mine, so do it. You could ask me how it's gonna end up, I don't know, and when it's gonna end. It's answers that you better not have. Because you can be surprised by the, you know, by the turn of it.
at any point, at any moment. And that's the beauty of it. You know, I lived a hard life, and I married into a hard life. And, you know, my kids grew up a hard life. This is Ted's little domain, you know. Teddy was my baby. That night, he came in and he kissed his dad goodnight and kissed me goodnight and, you know, I'm gonna go to my room. 5 minutes later, I went to make sure, you know, you need to get up in the morning so no watching cable all night. And he wasn't there and I walked in the bathroom and I found him. He hung himself with the strap off of a backpack. This is my son's grave here. And we brought him out here and buried him. But that every day, all the time I'm here, I can come out there anytime I want to. He's there. He's not going anywhere. And when I die, I'll be there, you know? Somebody gave me $1 million. You could do it, anything you want. I'd give it back to them. Tell them, let me get a hug, you know? You could have your $1 million. I can't do nothing anymore, but can dream, you know? Jenny m'ont envoyé une photo de leur fils. Quand j'ai entendu l'histoire et que j'ai vu son regard, j'ai pensé qu'on pouvait faire quelque chose de spécial avec Inside Out.
precious Lord, forget me not, don't pass me by. Though there must be others worthier than I, save a little spot in heaven close to you. Save a little spot in heaven close to you. Was like walking into heaven, you know. We're here with him now, and I don't know, I could lay down and go to sleep, you know, at peace. And I never sleep past 6 o'clock, and we've been waking up 9:30, sitting there, is this now getting daylight? I mean, it just kind of like released a lot of that stuff that I think we were feeling. We had his pictures there, but then to see him like this, you know, in a different perspective, it's just like awesome. It's just like a lot of that relief. You know? We never have to worry about losing that ever again. The feelings that we lost. Inside Out a continué de grandir. On a ouvert une imprimerie à New York. Voilà ce qui prend Inside Out. De una zona de un barrio que tiene una historia de violencia muy pesada. Algunas fotos, personas que siempre habían trabajado dentro de la legalidad en el barrio, que era prevenir el reclutamiento de jóvenes a los grupos armados. Que tenían como modelo. The Inside Out project is all about visibility and the Pride movement. Visibility is everything. Legalize, must oppress! Legalize, must oppress! Legalize, must oppress! For me, I think it's strange how frequently we avoid eye contact. Il y a une loi qui interdit la fabrication d'abris, en fait, et qui autorise les forces de l'ordre à détruire sous 48 heures et sans l'autorisation d'un juge. Du coup, l'idée, c'était de trouver une loi qui pouvait nous protéger. Et on a pensé au vide juridique qu'il y avait autour de la protection de l'œuvre d'art. Donc l'idée, c'était de recréer des abris, œuvres d'art, qui seraient donc protégées de la destruction. La foto de un candidato político con su caraza ahí o un beso. ¡Un beso! This project is particularly interesting for Pakistan because there's a lot of religious strife in the country. You see them for who they are rather than whether they're Christian or Hindu or Parsi, etc. On a construit nos propres cabines photographiques pour amener Inside Out directement aux gens
dans la rue. Wow! 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 We're not an organization. We don't have a direct purpose. You live with your photo, your purpose is your message. I can't tell you. All right? Vers l'imaginaire, vous concevez un autre monde. Et vous offrez ce monde aux autres. Vous leur dites, voilà une terre, peut-être surréelle, peut-être fictive, mais voilà cette terre, voilà ce morceau d'espoir, ce morceau de lune divine que je vous offre. Dans ce sens-là, l'artiste est indispensable dans la cité. عشان هذا انا حبيت الارض هذه من وانا صغير. كنت اجي مع رحمه ابوي، مع رحمه ستي، مع رحمه سيدي الله يرحمه. وحبيت صحيح المخيم فيه مرتي، امي، اخوتي، اولادي. بدي اشرف، بدي اظل هون. ما بدي اروح على المخيم، بدي اظل هون. هلا الجدار هذا كمان مشكلة. هلا صاروا يشتغلوا اقبالنا غادي. يبنوا في صباب. بكره كيف بدي اروح؟ كيف بدي انا كنت اروح كل 10 ايام اروح عندي ايش اشوف مراتي اشوف بعد الجدار صعب اروح. فعلا هذه بصف مشكلة. مشكلة مشكلة. امشي. اها. يا. اها. حلوة حلوة يا بنتي. وين بدنا نحطها المسكين حلوة؟ وين بدنا نلزقها؟ وين بدنا نلزقها؟ يوم بشوف الصور بعدك دائما انتم في العقل وفي القلب ما بنساكم بتاتا. بعتبرها هذه اقوى من الجدار. Inside Out continue de me surprendre. Il y a des projets que j'ai envie d'aller voir par moi-même. Il faut que je sois témoin d'une telle expérience.
Salut, enchanté, JR. Bonsoir. Asie, c'est ça? Exact. Enchanté. J'ai ramené plein de photos en plus. Là, c'est une partie, mais là-dedans, il y en a déjà 4 ou 500. Quoi? Ouais, ouais, c'est... 500? On les a imprimés des fois 3, 4 fois chacun et tout. Donc comme ça, on peut les remettre à plein d'endroits différents. Parfait. C'est super. On essaie de mettre une règle pour le projet, que ce soit des portraits, et qu'il y ait quelque chose qui se dégage. Et là, on l'avait dans tous les portraits. Il y avait à chaque fois un rire. C'est une sœur? T'as vu, on dirait un petit peu. Finalement, ça, c'est la taille de l'affiche politique qu'on placarde. Je leur disais, ça suffit. On a toujours eu des présidents sur nos murs. Maintenant, on va avoir... les Tunisiens, quoi, et les Tunisiennes. Ouais. Ils étaient super fiers de pouvoir apparaître là où le président était, quoi, tu vois. Prendre la place. Et justement, cet endroit où, avant, il y avait le portrait de Ben Ali, il y en a plein d'autres comme ça sur le chemin. Ça, je trouve ça fort, parce qu'en fait, lui, il avait chopé les meilleurs endroits quand il pensait. Donc au moins, il nous a facilité le boulot sur un truc, c'est le repérage des murs, quoi. Et en plus, les gens ont déjà découpé sa photo pour nous laisser coller, donc c'est parfait, quoi. Il y a eu un timing, préparation, je sais pas comment vous avez fait, mais c'est super bien préparé. C'est Je suis vraiment très reconnaissant à ceux qui ont chapeauté cette expérience. C'est formidable que le Tunisien puisse se retrouver à travers ces photos-là. C'est toutes les catégories sociales qui sont représentées. Là, on se retrouve, là, on est Tunisien. Regardez comme ça. Comme ça. Je voulais rentrer à la maison aujourd'hui bourrée de colle. Et quand ils vont me poser la question, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je vais leur répondre. J'étais en train de faire quelque chose pour mon peuple. Qui aurait pu croire qu'un jour on pourra toucher à ces murs? Aucun ne le croyait. Mais pourtant, on est en train de le faire. Et avec un grand amour aussi. Mais il reste aussi beaucoup de murs. C'est pas la fin. Ça ne fait que commencer. Et on finira par vaincre, par gagner. C'est ça le destin de la dictature, c'est ça. Ces gens-là. Ils font une campagne électorale, ce sont des martyrs, ce sont... C'est quoi? C'est impossible, c'est un patrimoine culturel. C'est impossible. C'est pas normal. Il faut mettre sur un mur ordinaire, mais pas sur ce mur-là. C'est une agression. C'est pas... Il fallait pas y toucher. Asma. Femme, le thé à cailleux. Aïchouer. Non, ne mettez pas sur nos murs. C'est, il nous appartient, ce mur. Nous sommes à 2 mois de la révolution et déjà... Certains, dans l'ombre, ils sortent et ils veulent nous imposer des images et des schémas.
علم تونس صباح. هذا هو علم تونس. هذا شعبنا. حط خريطة تونس. حط خريطة تونس. حط علم تونس. ليه 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 ليه. هاك ما تكلم في حد. وليه وما كلموا حد معناه خليه. Mais pourquoi vous agissez de la sorte, ceux qui ont fait ce choix? Allez dans une galerie d'art. Ils ont commencé à jeter des pierres sur le groupe. Et tu t'imagines? Putain. Non. Ils étaient à pied ou ils étaient en voiture? Je sais pas. Ils ont jeté des pierres sur les sur le groupe. On ne pouvait pas imaginer que ça pouvait aller si loin, quoi. La nana, elle disait, vous n'êtes pas tunisien. Moi, je suis tunisienne, vous n'êtes pas tunisien. Ça casse quand même, hein? Ouais, complètement. Tout l'enthousiasme qu'on a ressenti ce matin, plouf. Elle leur a dit, oh, allez, attaquez-les, ils sont mérités. Elle leur a dit, levez-vous, allez le frapper. Et ils ont commencé à courir vers nous, à récupérer des grosses pierres. Putain, on les avait ici, hein, vraiment. Moi, sérieusement. En tout cas, nous, toute l'équipe, ils sont dédiés à 100%. Quoi. Il y a peu de projets où on va venir aider ou coller. C'est nous, vos assistants, au final. C'est votre histoire, quoi. Donc c'est quoi votre idée? C'est que on aille à Place Pasteur, qui est une place assez passante, collée sur le mur d'une piscine publique, en fait. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. D'accord. Tout de suite. Et puis même s'il y en a, je pense pas que ce soit très populaire comme ce qu'on a eu aujourd'hui. Et si on revenait à votre première idée, la Porte de France? C'est un peu... Porte de France, c'est quand même à la limite de la Médina, où il y a beaucoup de gens qui habitent. Ouais. D'accord. Où ça risque d'être dangereux, quoi, si on est dans un quartier populaire comme aujourd'hui. Quoi. Ouais. Mais t'imagines si on fait la Porte de France dans la nuit, entre 2h et 5h, ou un truc comme ça... On pourra pas être aussi rapide que ça. Franchement, si on se met chacun sur une face, le truc, il peut être plié en une heure et demie, mais facile, quoi. Et la Porte de France, finalement, qui est notre truc phare, on devrait se le... Tu vois, Ouais, s'approprier la nuit comme ça. Tu vois, les gens ne nous emmerdent pas. Parce qu'on aura assez de lumière aussi. Ouais, ça, c'est bon. Ouais, ouais. C'est sûr. Ah, c'est sûr. T'as pas besoin de... Attends, c'est largement. Je crois qu'il faut que je commence.
Je suis pas sûr. Place Pasteur, moi, je pense que ça passerait mieux. Oui. Autant se faire la grosse tâche, qui est quand même bon, un sacré truc, la Porte de France. Tu vois, il n'y a pas mieux. Et les endroits vraiment clés qui vont faire parler. Et tu pousses pas des barrières dans un pays sans te confronter, vraiment. Ouais. Tu trouves les limites. Dans aucun des projets, on laissera un mec s'opposer à un projet, tu vois. Parce que ça, ce serait le vrai échec. C'est pareil, c'est pas anodin de prendre les murs. مش يجي قطع خاطر هذيك خدمة احنا جمعتي خدمناها بيتنا عليها وصابحين عليها معناتها هذايا زعما قمت بالصبيح اكل 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 الشاك اللي انت باش تجي هكا وباش نحكيو ديمقراطية صح حرة هذاك هو يعطيك الصحة هاي جيب منك اللي هذا تصور قطعه وخلع على البول Des Tunisiens se sont sentis libres de coller des photos. D'autres se sentent aussi libres de détruire ce que d'autres ont mis. C'est la démocratie. Les gens sont en train de jouir de ça. Et c'est, moi, je trouve que c'est un bon signe.
yo, bonsoir tout le monde, ça a passé. Ça c'est délégué tout Haïti. Welcome. Délégué tout Haïti. Merci, respectez. Bonjour. Bonjour, ça va? C'est ici, Téléghetto? Salut. Ça va? Alex. Livraison d'affiches. Livraison d'affiches. Salut. Toi, c'est Alex. Inside House. Toi, c'est... C'est Steven. Stevens, ok. Non, mais je viens inside out, covers. Ça va? Respect. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Hop. JR. Oh, enchanté. JR. Ah, Benoît, c'est tes photos. Tu sais, là, tu as l'un des bastions artistiques d'Haïti, je peux dire. On prend tout ce qui est jetable et on le donne une autre vie. Exemple, les crânes qu'on a ramassés après le tremblement de terre, on le prend des personnes mortes. On les fait revivre, on les donne une autre vie. Ah ouais, c'est des vrais crânes. Des vrais crânes, bien sûr. Wow. Et des crânes aussi qu'on prend au cimetière de Port-au-Prince, comme ce monsieur-là. Et on le fait devenir utile dans le domaine de l'embellissement. Ouais. Comme une thérapie dérisoire. T'es fier, toi, Benoît, de voir tes photos en train d'être collées? Et très fier. Et avec Dieu, c'est toute ma famille qui est fière de moi. Ça m'aide aussi à connaître moi-même qui je suis. C'est comme si la photographie m'a redonné la vie après et 9 mois que mon père avait rendu l'âme. Et j'ai perdu mon père. Et là, maintenant, la photographie m'a donné la vie. Moi, quand tu as dit Inside Out, j'ai pensé, OK, on prend le truc qui est à l'intérieur, inside, et on le fout dehors. On le fout dehors. Exemple, si je suis frustré, je prends la frustration inside et je le fous dehors. Ah oui. Qui décrit le ah oui. C'est comme ça que je le vois. Monsieur, vous connaissez le voyage. Inside. À demain. Capitole, et après, on voit. Allez. Ciao. Ciao.
Être une jeune personne en Haïti quand vous n'êtes pas né sous une bonne étoile, c'est de se réveiller un matin et dire qu'est-ce que je vais manger. Des fois, vous n'avez même pas envie de vous réveiller parce que vous vous dites, si je me réveille très tôt, je vais avoir faim dès 9 heures, alors je dois trouver quelque chose à manger. Alors vous vous réveillez plutôt à 10 heures. Et quand vous vous réveillez à 10 heures, le soleil est chaud, vous allez prendre une douche. Vous avez faim. Puis après, à 2 heures, vous vous dites, bon, vous prenez un pain et un peu de café. C'est votre nourriture. C'est votre déjeuner. Mixé, je peux dire. Puis le soir, vous êtes là. Vous blaguez avec des amis, vous rincez et ils vous donnent un coup d'alcool parce que c'est pas très cher. Pas trop, mais un tout petit peu d'alcool. Et comme ça, vous buvez, vous vous dites comme ça, puisque j'ai rien pris, ça va me faire tourner la tête, je vais mieux dormir. Mais vous n'avez pas envie de fermer les yeux parce que vous avez peur de vous réveiller au milieu de la nuit et d'avoir très faim et de savoir pas ce que vous devez faire. Alors vous vous couchez. Très tard, vers minuit. Comme ça, vous êtes fatigué, pas envie de vous réveiller. Mais quand il y a un jeune qui a la chance d'aller à l'école, c'est de se réveiller très tôt, vers 6 heures, s'habiller, de prendre le chemin de l'école à pied et d'arriver et de voir tous ses camarades qui ont la chance d'avoir des parents qui travaillent avec de l'argent, qui s'achètent à manger. Vous êtes assis là à regarder leur bouche, à regarder, mais vous êtes trop fiers pour leur demander un peu. C'est de se dire, wow, quand je rentre chez moi, est-ce que je ne vais pas trouver mon petit frère, mon petit neveu, ma petite cousine en train de pleurer de faim, ou ma grand-mère en train de me dire, je ne trouve rien à te donner, non mon fils. C'est ça en fait, être jeune en Haïti. C'est d'avoir un avenir incertain. Mais en même temps, avoir envie d'apprendre, avoir envie de l'école, avoir envie de travailler et aider ma famille. D'après ce que je vois, d'après beaucoup de mes amis que je connais, c'est ça être jeune en Haïti. C'est ça, oui. Tu me prends l'échelle, s'il te plaît. Alors, J.R., si tu donnes tous tes secrets bientôt, on dirait que tu pourras même plus apprendre rien à d'autres personnes. Regarde, si tu regardes le projet Inside Out, il me reste plus de secrets après. Plus de secrets, malheureusement pour toi. Non, heureusement. Si j'avais des secrets, tu serais pas là en train de coller. Ça, c'est... C'est pas vrai? Heureusement pour moi, malheureusement pour toi. Non, mais heureusement parce que les secrets, c'est fait pour être partagé. Oui. C'est vrai, c'est partagé, c'est plus un secret. C'est plus un secret, c'est un mouvement. C'est un mouvement, oui. Inside out. Si c'est toi qui avais fait, je serais pas si content. Pourquoi?
Parce que ce serait comme si t'étais en France et tu faisais les trucs de ton pays et que moi, l'étranger, j'assistais. Exactement. Tu vois? C'est pour ça que c'est devenu Inside Out. So, là, c'est moi qui fais et toi que tu assistes. C'est mieux comme ça. Nous prenons les photos, nous les imprimons et nous connaissons... Non, je les imprime. Laisse-moi une partie quand même. Si je suis même plus imprimeur, qu'est-ce que je fais alors? C'est tellement que nous nous sentons impliqués là qu'on oublie même J.R. Désolé, mon pote. Pas grave. Je peux descendre quand même. Yeah. Préfère le projet. J.R. c'est qu'une personne. Mais Inside Out, d'après moi, c'est la chose. Oui, oui, oui. C'est l'affaire. Nous, on est inside, toi, t'es out.